Yeah.
I'm
Yo,
my, oh 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 my, Bamba yo ma yo ma muna mama betendi lafudine. Zamanda no gi muna nda wele mo poke mana. Nde bamba yo ma yo ma muna mama betendi muto nune. Zamanda no gi muna nda wele mo poke mana. Nde bamba yo ma yo ma muna mama betendi lafudine. Zamanda no gi muna nda wele mo poke mana. Nde Mama, mama, ni kani mwenye mtoto, hata ni mbunya. Na duma kama mbo. Na Mama, mami, yo naima wasae. Ule mamu na mtombai na uja ya. Mama, mami, yo naima wasae. Ule mamu.
Chapitre 2. Mes frères, vous ne possédez tout de même pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, notre gloire, avec des actes de favoritisme. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme avec des bagues d'or au doigt et un habit splendide, mais qu'il entre aussi un pauvre avec un habit sale, si vous regardez cependant avec faveur celui qui porte l'habit splendide et lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette belle place », et que vous disiez au pauvre « Toi, reste debout » ou bien « Assieds-toi là, sous mon marchepied », vous établissez, n'est-ce pas, des distinctions de classe parmi vous. Et vous êtes devenus des juges aux sentences mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a choisi ceux qui sont pauvres quant au monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Mais vous, vous avez déshonoré le pauvre? Ce sont les riches qui vous oppriment. Et ce sont eux, n'est-ce pas, qui vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux, n'est-ce pas, qui blasphèment le beau nom dont vous avez été appelés? Si donc vous accomplissez fidèlement la loi royale selon cette parole de l'Écriture, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous continuez à faire du favoritisme, vous commettez un péché, car vous êtes repris par la loi comme transgresseur. Car quiconque observe toute la loi, mais fait un faux pas sur un seul point, est devenu coupable à l'égard de tous. Car celui qui a dit « tu ne dois pas commettre d'adultère » a dit aussi « tu ne dois pas assassiner ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu assassines, tu es devenu un transgresseur de la loi. Continuez de parler ainsi et continuez d'agir ainsi en hommes qui vont être jugés par la loi d'un peuple libre. Car pour celui qui ne pratique pas la miséricorde, le jugement est sans miséricorde. La miséricorde triomphante se glorifie aux dépens du jugement.
À quoi cela sert-il, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a de la foi, mais qu'il n'est pas d'œuvre? Cette foi ne peut pas le sauver, n'est-ce pas? Si un frère ou une sœur se trouve nu et manque de la nourriture quotidienne, et que pourtant l'un de vous leur dise « Allez en paix, restez au chaud et continuez à bien vous nourrir », mais que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Toutefois, quelqu'un dira « Tu as de la foi et moi j'ai des œuvres, montre-moi ta foi en dehors des œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et pourtant les démons croient et frissonnent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi en dehors des œuvres est inactive? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été déclaré juste par des œuvres après avoir offert Isaac son fils sur l'autel? Tu vois que sa foi travaillait avec ses œuvres, et que par ses œuvres sa foi a été rendue parfaite, et que s'est accomplie cette parole de l'Écriture qui dit « Abraham eut foi en Jéhovah et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé « ami de Jéhovah ». Vous voyez qu'un homme sera déclaré juste par les œuvres et non par la foi seule. Pareillement, Rahab la prostituée n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par des œuvres après avoir accueilli les messagers avec hospitalité et les avoir fait partir par un autre chemin? Oui. Comme le corps sans esprit est mort, de même aussi la foi sans œuvre est morte.